Cette porte d'écluse sert à retenir l'eau. Il faut que j'arrive à l'enlever. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Faut faire monter le niveau de l'eau. Ce mur est friable. Je devrais pouvoir le transpercer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud, et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. Thank you.
est vide. Y'a rien. Non. Non. Qu'est-ce qui m'a échappé? Là, il est en bas. Posez les explosifs. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de nous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara,
Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Lara, tu m'entends? Je suis au refuge! Jonah! Jonah! Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Faut que je trouve un abri. Je dois continuer. Allez, tu peux y arriver. Bouge-toi. Ah, un vieux campement. Ok, super. Il faut que je passe du feu. Ok. Ça devrait le faire. Pas suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus.
C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. C'est récent. Pas de quoi manger. Ben voilà au campement. T'arrêtes pas de bouger. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Il va me falloir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. J'espère juste que Jonah est sain et sauf. Qu'il a réussi à rentrer. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule.